Le bilan provisoire du glissement de terrain dans le nord-ouest de la Colombie s'est alourdi et atteint désormais 61 morts et 37 blessés. Les recherches ont repris mardi matin et les autorités craignent de trouver d'autres victimes de cette catastrophe qui a surpris les habitants de la région dans la nuit de dimanche à lundi. C'est dur, dit cette femme, on n'imagine jamais qu'une telle chose puisse arriver et encore moins de voir tant de gens tués, tant de voisins disparus. Mais grâce à Dieu, je vais bien et mes filles et ma petite fille aussi. Des pluies torrentielles ont provoqué une avalanche de pierres et de boue qui a tout emporté sur sa route et entièrement dévasté des dizaines de maisons de cette commune qui se trouve à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Medellín. La Colombie est régulièrement victime de glissements de terrain. La catastrophe la plus meurtrière de ces dernières années avait eu lieu en 2011 et fait près de 1400 morts.